Indemnité des fonctions des élus communaux. Donc, il est obligé de reprendre la délibération. Madame, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous devez reprendre? Donc, il y a eu l'augmentation de l'indice dans la fonction publique. Et par rapport justement au protocole de parcours professionnel, les carrières des fonctionnaires ont été complètement modifiées. Et l'indice de référence, qui était l'indice de 15, a également été modifié. Or, vous savez que les indemnités des élus sont en pourcentage de l'indice terminal de la fonction publique. Donc, nous avions obligation de modifier la délibération. Mais elle ne change en rien les pourcentages attribués à chaque élu. Oui, il faut savoir que, par exemple, pour donner des exemples concrets, normalement, un maire comme le président Dutouche pourrait percevoir 2 500 ou 600 euros net. 2 500 euros net. Et avec le pourcentage de taux qu'on a pris, 32,1%, je reçois en net 1025,56 euros. Au lieu de 1 500 ou 2 600 net. Par contre, les adjoints ont droit à 40% de 2 500 euros. Donc ça ferait 4 fois 5 000. Et ils perçoivent que 700,58 €, et Madame Leclerc, la première adjointe, 643,62 €. Je ne sais pas pourquoi, madame, c'est côté de la. Et après, les conseillers délégués sont à 240,38 €. Les conseillers délégués, disons, avec des délégations importantes. Et les conseillers délégués sont à 150,56 € par mois. Donc, mais il faut savoir aussi, je dis au public, normalement, il n'y a que les adjoints et les maires et les adjoints qui ont droit à des indemnités. Strictement. Et quand on a les conseillers délégués, c'est sur la même somme globale qu'on peut se partager les choses. C'est-à-dire que les adjoints et le maire ont baissé leurs indemnités pour pouvoir permettre aux élus majoritaires au moins de pouvoir avoir une indemnité. Donc, pour le vote de ces indemnités, également que nous avons prévu ces 15 ou de 15 à 20 places de parking où c'est qu'il y avait le passage à la ligne centrale à l'époque, je ne sais plus là, et qu'il y a sur le terrain, qui sera une seconde étape, je dois dire une autre étape, en Cantura, l'école maternelle qui est dans la soirée Gendouillet, il y a le terrain qui nous appartient à la commune, il y a le terrain Gendouillet, et on pourra faire aussi combien de 40 places de parking. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'école va venir, on va augmenter aussi, on aura à peu près 70 places de parking supplémentaires, de réaménagement. Après, à terme, si vous voulez, mais je vous ai déjà expliqué à l'époque la maison qu'on a rachetée la dernière fois à côté du collège qui viendrait pour la prévention et le rame à Tandane et le rame ailleurs, et puis après, c'est la suite de qui pourrait partir à ce niveau-là. Bon, je répète souvent la même chose. Action des commerçants de la Méditerranée, au futur numéro. Alors, là, je dois dire que donc, demain, j'ai une réunion avec. Sur le numéro 3, la proposition. Alors, par rapport au boulevard des Capelles. Le boulevard des Capelles, avant, on fait dire que j'avais dit qu'on avait. Non, ça a été étudié en partie, à l'époque, par un cabinet d'études, qui avait montré qu'en termes de toute part de trafic, si on rapportait tout, si on mettait le transport en commun sur le boulevard des Capelles, qui a plus le plus fort trafic d'aujourd'hui, et qui a le temps. À Cailleux, surtout tout le transfert des camions depuis la route de l'école jusqu'à la route de l'Ouvrie, c'est le gros essentiel des camions et des gros camions. À ce moment-là, on se oblige de faire passer une grosse partie, beaucoup plus de partie des véhicules, sur le centre-ville. Bon. Donc, et à l'époque, souvenez-vous, je vous ai même donné les deux trafics, et je vous ai donné 15 jours, 3 semaines ou un mois pour défendre. Vous en êtes simple, hein. Et je n'ai pas eu de réponse. Bon. Par contre,
ce que aujourd'hui, dans l'INEO, on a eu quand même des concertations. L'INEO est venu voir plusieurs fois. C'est pas nous la présentation, mais l'INEO est venu plusieurs fois à l'INEO. Et cette pièce, l'INEO, sont venus plusieurs fois depuis des années, depuis même la salle de réunion, depuis le projet TRAM, PHMS, on l'a publié, c'était sur le site, etc. Et là, c'est le projet l'INEO. Et où il y a eu plusieurs, quand même, je passe trop 4 réunions publiques, avec tout le monde et minimum. Bon. La question de fond, c'est qu'on ne reviendra pas dans ce tracé l'INEO. On a rencontré aussi les commerçants qui, eux, souhaiteraient qu'il y ait au moins un sens de circulation dans l'avenue des Pyrénées. De toute façon, l'avenue des Pyrénées va être obligatoirement pourvue de manière à ce qu'il y ait un sens de circulation qui soit possible. C'est ce qu'on ne peut pas vous donner. Pourquoi? Parce que les travaux qu'il va falloir faire sur le boulevard des Capelles par la suite vont obliger, on ne pourra pas avoir pas de passage sur l'avenue Pyrénées et pas de passage, un passage relativement ralenti sur le boulevard des Capelles à certains endroits, donc on ne pourra pas tout bloquer toutes les lances. On a bien vu, comme je répète à l'INEO, au TCO, non seulement quand il y a eu le trou de Marquisa, plus donc en Tamero, on a vu le bazar que c'était. Il n'y avait pas qu'à présent ce bazar. Enfin, on a eu quand même un certain bazar. Alors après, on a une demande qui est celle des commerçants qui est de dire si on doit éventuellement avoir un sens, on préférerait que ce soit le sens 12-Fonsorbe. Dans ma tête à moi, c'était plutôt Fonsorbe-Toulouse. Pourquoi? Je raisonnais en termes de gens qui vont au boulot le matin, il vaudrait mieux qu'ils puissent circuler le matin et que le soir, ils reviennent beaucoup plus tranquilles. Et même si c'est un peu plus long, on revient le soir. Les commerçants me soulèvent que c'est en fait le soir que les gens s'arrêtent. Ils ne pourront pas s'arrêter sur l'avenue des Pyrénées. Ils devront s'arrêter de toute façon sur les parkings à côté. Bon. Le responsable de la CCI qui était là, il dit mais pourquoi ne pas faire comme sur le pont d'Aquitaine, avant le matin, on passe par dans le sens Fonsorbe et le soir dans le sens, l'autre sens Toulouse. Le soir de Toulouse vers Fonsorbe. Là, on m'a dit, autant, première réflexion, mais je n'ai pas vu encore le responsable technique. Le responsable technique. Il a été dit par une personne que j'ai pu rencontrer hier, qu'a priori un sens pourrait se concevoir, mais a priori pas les deux, à part sur la partie zone médiane, dans le point. Bon. Donc, on sait qu'il y a un sens qui est envisageable. Ce que je dis aussi aux commerçants, donc on va étudier juste une demain avec les services du SMTC et TCO. Par contre, j'ai dit aux commerçants, quand je les ai rencontrés aussi, et je leur ai demandé à faire une lettre, je leur ai demandé de faire une lettre au service, au directeur du cabinet, monsieur le directeur du cabinet, à tous les riverains, y compris commerçants, professions libérales, etc., pas se garer. Et ça, le lundi, sur le parking où il y avait le marché, Noël, il n'y a personne. Et le mardi, c'est plein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plein, c'est pas les gens qui sont dans les commerces. C'est pris par les gens qui travaillent dans le coin, qui habitent dans le coin, qui occupent les parkings proches des commerçants. Pas peut-être vous, mais il y a des dames. On va envoyer des lettres. Pour conserver au moins une partie du parking, soit en zone bleue, soit les gens la respectent, soit en zone bleue, de manière à ce qu'on puisse pas se garer et laisser la place aux clients. Et après, ce que j'ai proposé aussi, c'est que pour des places qui sont au centre-ville, on a discuté avec les élus également, il y a un système, dont monsieur le directeur va nous expliquer. Que c'est
Tout simplement sur les systèmes d'objets connectés qui permettent de savoir avec les smartphones, tout simplement, si les places de parking sont libres sur une ville ou sur un secteur bien défini. Voilà. Bien, mais ça, de pouvoir... Alors, voilà, on peut aussi voir les zones bleues et de, à partir d'un certain temps, la police municipale est alertée que les places sont occupées en dehors de... Et permettra de pouvoir mettre des télés. Et de gagner de l'argent. Enfin, de gagner de l'argent. Non. Non. Mais ça permettrait, par exemple, dans certaines places de parking au centre-ville, qui seront là, de pouvoir, pour qu'elles ne soient pas prises par les gens du voisinage, qu'elles soient libres pendant la journée par rapport aux commerces. Que ça soit sur la ville des Pyrénées, que ça soit sur le parking en particulier de Bombay, ou sur le parking, au moins à proximité des commerces. Pas tout, parce que c'est un coût, mais à proximité des commerces. Messieurs, dames. Moi, je voudrais juste ajouter une petite remarque, toute petite. Je sais donc que vous êtes en négociation, discussion avec les commerçants et avec la machine, et je trouve... particulièrement inélégant d'avoir lancé une compétition. Attendez, madame. Alors là, est-ce que pouvez-vous vous rappeler est-ce que vous croyez que c'est moi qui ai lancé une vente? Ben oui, c'est marqué Louis Escoula en dessous. Regardez, excusez-moi, pour avoir souvent, c'est moi, Jasmine, qui est rentrée, mais c'est une riveraine qui a lancé, elle est juste adressée. À monsieur Escoula, par mon intermédiaire, mais elle, en fait, le destinataire de la pétition, c'est monsieur Escoula, c'est pas lui qui a lancé, c'est à lui qu'elle a adressé. Sur le site, c'est ça la nuance. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il y a signataire, je reçois un mail, c'est un autre problème. Mais voilà. Il faudrait peut-être que vous tombiez tout ça pour faire un mail. Attendez, regardez. On est encore en République. J'espère. Ça dépend. Les gens qui sont contre, qui manifestent. Contre le Valtonosa, qui manifeste contre l'INEO, on le voit s'exprimer. Ceux qui sont pour, on le voit s'exprimer. Moi, ce qui me surprend, c'est quand je regarde les groupes, parce que je suis bien, je regarde régulièrement, je m'aperçois quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont favorables au transport en commun, même au centre-ville. Bon, mais nous sommes favorables. Non. Dans le plan du factuel, donc, si j'ai bien compris votre position, vous envisagez quand même de modifier légèrement les grands principes du projet que vous aviez concernant le tracé de l'INEO. Alors, je n'étais pas tout bien saisie tout à l'heure, parce qu'il y a des moments où je ne comprenais pas ce que vous ouvriez. Mais vous savez, je suis incompréhensible ce soir. Souvent, oui. Souvent. Non, ce que tu viens de dire. Moi, j'en ai fait clair. Ce que je viens de dire, c'est donc que je vais discuter demain avec l'INEO, qu'on va envisager cette possibilité-là de passage éventuellement dans un sens. Je n'ai pas de réponse officiellement aujourd'hui à donner. Ce qui était préoccupant pour, aussi bien pour les commerçants que pour les clients, quoi. C'est de se dire que toutes les places de parking seraient supprimées sur la rue des Pyrénées. Parce qu'il est effectivement dur de se garer, même les lundis où certains commerces sont fermés, il est très dur de se garer aussi bien sur la place Bombay, sur les nouveaux parkings qui ont été créés lorsqu'on a créé la place Bombay, que sur le petit parking de Saint-Nicolas. Par contre, dans les rues adjacentes, donc on manque déjà cruellement de parking, c'est compliqué quand même. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas faire miracle. Par contre, la place où on a fait le pour, il y avait l'ancien marché, il y avait le marché de Noël. C'est juste derrière. Bon, derrière, c'est vrai. C'est le parking de Saint-Nicolas. Mais non, c'est Saint-Nicolas. C'est dit. Vous savez qu'il y a le marché de Noël. Vous vous souvenez? Derrière Saint-Nicolas, le parking dont vous avez parlé plusieurs fois, qui est un parking privé, c'est ça? Non, celui qui est derrière les professions libérales. Oui. C'est pas derrière Saint-Nicolas, c'est celui des communales, celui-là. Celui des communales, c'était le terrain qui appartient à la mairie. Où il y avait le marché à l'époque où il y avait le marché de Noël. Celui appartient à la mairie. Celui-là, il faut qu'il soit au moins pour un tiers, voire à moitié,
un parking où on n'y est pas des voitures, ça me prend 12 heures toute la journée. Parce que ce parking, parce que de toute façon, à part les 5 ou 6 places qu'il y aura en face chez les Maudits, la journée de tourisme, et la place Verdier, il n'y aura pas de place réellement dans cette partie-là de parking sur l'avenue des Pyrénées. Par contre, là derrière, il y a des parkings importants, et on est à 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres des commerces qui sont là. Par contre, sur l'autre partie de la ville des Pyrénées, si on vient depuis l'entrée de plaisance jusqu'à, en gros, à la maison du Car, là, il y aura des parkings tout au long, qui restent. Ok, donc il y a déjà les parkings restent. Et vous allez faire ce que vous avez dit, c'est que vous allez faire en sorte, via justement les nouvelles méthodes d'objets connectés, de faire éventuellement circuler, les voitures qui éventuellement seraient des voitures en tout. Ouais, parce qu'il y en a un peu trop et alors qu'il suffirait d'aller à la place. On le sait pertinemment, à un moment donné, il y avait des buts de rue, un commerçant qui avait tous ses employés et tout, qui se garait dans la rue, la butte de rue avait tous ses employés et il bloquait tout. Donc aujourd'hui, on va veiller à ce que, au moins une bonne partie de cette place où il y avait le marché, soit libre pour réellement, et qu'ils aillent plutôt occuper les gens qui les accueillent. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut faire un marquage de zone bleue. Ah, par exemple, mais enfin, le marquage jaune bleu, il existe sur la place Bombay, et malheureusement, déjà, les gens n'ont pas le disque, il n'est pas appliqué, et surtout, il faudrait que des contrôles soient effectués dans un premier temps, gentiment, faire sortir les gens pour perdre l'habitude de stationner pendant des heures sur une zone. Je crois que si on peut mettre un système, le problème de M. le directeur, parce que la personne qui va, par exemple, excusez-moi, la personne qui va même à la place Bombay, je ne parle pas de Bombay aujourd'hui, qui reste une demi-heure parce qu'elle n'a pas mis son disque, on voulait mettre un PV. Moi, je préfère mettre un PV à celui qui reste plus d'une heure et demie. Parce que là, on peut tomber quelqu'un qui va trop au tabac, si je mets les gendarmes, il 5 minutes, il prend un PV parce qu'il n'a pas mis son disque. Par contre, si on a les trucs avec les trucs au sol, comme le poil, on a une heure et demie avec les portes, on le teste à ce moment-là. Bon, par contre, je dois dire une chose, faut savoir qu'on a tous voté ici, il y a peu de temps, qu'on mettait à disposition du SMTC SMAT, tout le centre de la ville, toute l'habitation de façade à façade, de travaux. C'est-à-dire qu'en fait, le patron des transports, nous avons, c'est quand même, on a donné l'autorisation de faire ça, tout compris. Ces travaux, j'y vais discuter, mais je ne suis pas sûr, parce que vous voyez, attendez, oh. Nous sommes les patrons du transport, à ce niveau-là, vous devez confier la maîtrise. C'est limité. Oui, mais enfin, vous n'avez pas à lui donner pour orienter les bonnes décisions. Non, mais je veux rappeler qu'on a donné entre gens intelligents avec cette décision. Ouais. Après, sur les parkings du SMTC, quand même, heureusement qu'on n'a pas trop d'écologistes à présence parce qu'ils sont très 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 contre les parkings. Ils veulent qu'on fasse que du vélo ou de la marche à pied. Donc, on a des problèmes avec le SMTC quand chaque fois qu'il est proposé d'agrandir un parking relais, on en a un qui dit à chaque fois. Ce ne sont pas les associations du vélo et les écologistes. En fait, Je ne sais pas. Ben c'est, moi, j'ai cru comprendre qu'il était écolo. C'est quelqu'un qui a vu les bords. Ah, ça, je suis d'accord, il est parti. Bon, écoutez, juste, monsieur le maire, donc, puisque si on a fini sur ce sujet-là, je voulais juste une précision, enfin deux précisions, donc une de votre part. La première, vous avez donc proposé qu'on reporte la question diverse au prochain conseil, la celle qu'on a pas élaborée, ce que vous avez dit complètement. Et la deuxième, donc le prochain conseil municipal se tiendra à la maison des associations. Hein, juste, c'est pour prévenir le public qu'on ne sera pas ici la prochaine fois. Quel jour ? On peut avoir le jour ? Alors, attendez, il faut tout signer là. Non, c'est pas le jour, c'est la nuit. Suspension. Mais quelle date ? Suspension de séance. Vous avez des questions à poser, donc on arrête le conseil municipal. Vous avez des questions à poser ? Oui. En fait, ce matin, j'ai appelé la police municipale, justement, pour qu'ils viennent verbaliser la zone bleue qu'il y a devant chez nous.
parce que ce n'étaient pas les commerçants ou les employés des commerçants qui étaient garés, c'était des riverains. Des riverains. Donc, ils n'ont pas de parking, les gens qui habitent la plupart sur la nuit des Pyrénées, et c'était aussi du bâtiment qu'il y a derrière. Mais ce que je vous dis, madame, c'est que mais donc, de, lundi, demain, je les riverains, ils sont le lundi, le mardi, le mercredi. Le lundi, il n'y a personne, et le mardi, tout le parking. Parce que de temps en temps, ils doivent bouger quand même la voiture, elle ne reste pas... C'est des riverains qui travaillent actuellement. Hein. Oui, mais il y en a même qui bossent à la mairie. Mais vous savez... C'est possible aussi. Mais les paillards, ils se peinturent là. Non, mais si je peux prendre des photos des plaques d'immatriculation, je vais le faire. Hein. Vous les enverrez. Vous verrez que ce sont des riverains. Donc il faut bien qu'ils se garent aussi quelque part. Excusez-moi, je n'entends pas très bien, madame. Je dis, il faut bien qu'ils se garent aussi quelque part. Donc, attendez, soit on peut louer un parking, soit on s'en va à la présence d'accueil, mais à ce moment-là, il ne faut pas se mettre à côté. Mais après, moi, je dis ça simplement ce soir, parce qu'à plusieurs reprises, vous nous avez accusé d'occuper ce parking. Donc, moi, je vois le lundi, les commerces sont fermés, et tout le monde, il n'y a pas beaucoup de monde qui est là, c'est vide. Regardez-le le lundi. Bah, il n'y a pas de clients le lundi, puisque c'est fermé. Mais il n'y a pas de clients derrière. Attendez, s'il y a... S'il y a tous ces clients, si ce ne sont que des clients qui occupent le mardi, le mercredi, tout le parking, c'est que les qui ne se gardent pas sur cette vendée, se gardent à ce moment-là, sur ce parking-là. Pour la précision, c'est le 26 avril, hein, je vais prendre un conseil. Pour demain, pour me confirmer que vous demanderez un flux de véhicules, mais de clients potentiels. Vous me demanderez, à Tisséo le flux rentrant de véhicules de clients potentiels. Il n'y aura pas que les riverains ou les livreurs. On est bien d'accord là-dessus. Non, mais parce que ce n'était pas prévu comme ça. Oui, mais je comprends. Pas que les riverains, pas que les livreurs. Je vous ai dit que tout à l'heure, excusez-moi. Je vous l'ai dit tout à l'heure que de toute façon, on était obligé d'avoir un sens de trafic, ne serait-ce que quand on va faire les travaux par rapport à... Non, mais je vous parle du tracé et de la demande qui va être faite demain. Parce que justement, je pense que beaucoup de personnes n'ont pas été informées de ce flux de circulation. On joue un peu sur les mots. Le flux de circulation que vous proposez, c'est simplement les riverains et les livreurs. Nous, commerçants, petits commerces, je me répète, je sais, monsieur le maire, depuis qu'on se rencontre, nous souhaitons un flux de circulation rentrant, donc Toulouse-Fonsorbe, si nous n'avons pas d'autre choix, mais de clients, donc de tout véhicule. Mais je suis en train de vous dire que si on ferme les capelles pour des travaux, on sera obligé... Oui, mais pas que lors de la fermeture des boulevards de Capelle. Mais je vous dis qu'automatiquement, le centre-ville sera prêt pour accueillir un centre de circulation. Et je vais voir avec eux comment aujourd'hui ça peut se passer. Je ne vais pas prendre le temps. Automatiquement, il y aura la possibilité de faire circuler d'un sens ou dans l'autre, sur l'ensemble de... Puisqu'il faudra que ça soit prêt, bon, pendant les périodes de travaux, il y aura la possibilité de... Okay. Donc on peut compter sur vous pour avoir un flux de véhicules. Je vais le demander, ne serait-ce que par rapport aux travaux, qui seront nécessaires à côté. On sera avisé demain. Quand est-ce qu'on sera avisé? Excusez-moi, mais vous voyez un petit peu demain, j'ai des réunions aussi. Je vous appellerai. Monsieur Michel vous donnera ce que j'en sais. Il n'est pas dit que je suis de maison, on aura une décision officielle. On va la ramener. Parce que de maison, on envisage de discuter, même si on a jamais fait passer le message. Mais en plus, celui qui s'occupe, M. Laporte, n'est pas demain à la réunion parce qu'il est à manière région parisienne. Donc, demain, on envisage le depuis Plaisance jusqu'à Toulouse. C'est ça la réunion qu'on a demain. Ce n'est pas simplement Plaisance. La réunion est sur tout le tracé. Donc, je vais reposer aux Plaisances la question officiellement posée, etc. Mais je n'aurai pas une réponse
officiels, parce qu'ils vont automatiquement lancer le travail. Oui. Mais ils ont conscience que on ne pourra pas faire les travaux, ne serait-ce que par rapport aux travaux qu'on va faire sur les 82, sur la voie des Capelles. Il faudra qu'il y ait un centre de circulation possible sur la... Oui, mais pas seulement sur la durée des travaux. Mais dans non, la mesure où suis... ah, oui, il mais... sera, et le moment où il sera pour la durée des travaux, c'est qu'il serait possible. D'accord. Ouais, on ne peut pas. Ah oui. Si vous voulez, s'il y a un vrai mur. Bon. Écoutez, n'oubliez pas de signer et sachez que vous avez, comme chaque année, vous le budget simplement, de voir.